Rares sont les hivers tarnés qui transforment ainsi le paysage et nous fassent apprécier dans un silence célestiel les crissements de la neige sous nos pieds. Les villages dans ce département ne sont donc jamais isolés et les situations climatiques tiennent plus du distrayant que de l'inquiétant. Ici, une belle demeure sur près de 1600 m² de terrain, bâtie sur un monticule, elle a l'avantage d'offrir à ses occupants un sentiment de liberté de mouvement, d'espace et de standing. Entièrement clôturé, ce terrain est arboré avec piscine et mini-pigeonniers en font un lieu de vie harmonieux. Une grande entrée permet de s'apprêter au rendez-vous familial, au coin du feu en l'occurrence. L'espace jour, organisé d'une façon plutôt originale, les divisions entre les différents endroits à vivre sont séparées symboliquement et plutôt anticonformistes. Mais le propriétaire n'est-il pas un artiste, peintre et musicien? La cuisine ouverte à l'américaine, dit-on, possède tout ce que souhaite l'épicurien, espace et clarté en sus. Les futurs résidents seront comblés. La lumière pénètre les lieux sans réserve jusqu'à l'étage. Espace culturel et coin de nuit, l'ensemble, tout électrique, sur 120 m² habitable. La salle de bain, quant à elle, ne souffre d'aucune négligence. Le confort et le bien-être y font bon ménage. Deux chambres se côtoient. Cette habitation sent bon l'équilibre et l'aisance. Gorges, lacs et rivières sont un lien actif qui relie les bourgs, fermes et lieux-dits entre eux. Ici, le regard porte loin. Influencée à la fois par le climat océanique et méditerranéen, cette terre de légende et de contraste vous séduira à n'en pas douter. À bientôt.